Salut à tous, aujourd'hui on vous emmène au menhir de Monteneuf. Ici même, il y a 6500 ans, des hommes et des femmes comme nous dressaient des pierres. Savoir comment ils l'ont fait, peut-il nous aider à comprendre qui ils étaient et pourquoi ils l'ont fait? Fouillez notre histoire, comment sommes-nous devenus ce que nous sommes? Pour contribuer à cette question, l'archéologie s'appuie dans sa démarche sur les indices que le passé a déposés sur sa route. Vestiges, traces, matériaux, etc. Et bien sûr, documents écrits, quand ils existent. Cette multitude d'indices constitue un vaste puzzle aux multiples zones d'ombre. Lorsqu'émerge une nouvelle pièce, comment la reconnaître et évaluer son importance? À Monteneuf, deux facteurs se sont conjugués. Le hasard qui rend visible ce qui était caché et la présence d'un regard qui sait voir. Les menhirs de Monteneuf appartenaient à la mémoire collective. Trois pierres plantées au milieu de la lande étaient depuis longtemps le point de rendez-vous des amoureux et des enfants qui gardaient les troupeaux. En faisant disparaître la végétation, l'incendie de juillet 1976 révéla quantité d'autres blocs rocheux couchés sur le sol. Voilà pour, entre guillemets, le hasard. Mais le, entre guillemets, regard décisif fut celui du maire de l'époque, monsieur Oran. Passionné d'archéologie, il sut reconnaître des vestiges préhistoriques là où d'autres n'auraient vu que de grosses pierres. Il alerta immédiatement la direction des Antiquités de Bretagne, qui missionna un archéologue, Yannick Le Serre. Et vous, que vous disent ces pierres? Face à ces pierres dressées, que ressentez-vous? Quelque chose de l'ordre du questionnement? De l'émotion, une sensation physique, ou peut-être rien du tout, tout est possible. Le plus souvent, les mégalithes fascinent et on comprend qu'ils aient suscité nombre de croyances et de légendes. C'est comme si l'absence de texte nous autorisait à donner libre cours à notre rêverie dans laquelle se mélangerait ce que nous savons et ce que nous imaginons. La tâche est donc ardue pour ceux qui font métier de comprendre ces époques. La rigueur de la démarche scientifique impose de procéder par hypothèse à partir des indices disponibles. Au menhir de Monteneuf, ils sont de plusieurs ordres. Trois pierres dressées seules, des fosses de calage de menhir, des traces d'extraction et de transport, des charbons de bois dans les fosses, quelques outils en pierre. Le relevé, la fouille et l'analyse de tous ces indices confirment l'hypothèse que des pierres ont été débitées, dressées et organisées par des hommes. Il s'agit donc bien d'une réalisation architecturale préalablement pensée et qu'il aurait été impossible de mener à bien sans une forte organisation collective.
pensais qu'on serait presque en inondation ici. Mais heureusement, on a prévu les bottes. Tu vas où, Maïka? Viens là, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, fais le tour. Ouh là là, une glouton en folie. Et en attendant, on va chanter. Oh yandaya yandaya yandaya. Oh yandaya yandaya yandayo. Oh yandaya 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 chayanana o. Sendana yandaya yandaya. Oh yandaya yandaya yandayo. Shandeta yandaya. Comme d'ailleurs, 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 comme d'ailleurs, d'ailleurs, comme d'ailleurs, d'ailleurs. Comme d'ayam d'ayam d'ayo, comme d'ayam d'ayam d'ayo, comme d'ayam d'ayam d'ayo, comme d'ayam d'ayam d'ayo, comme d'ayam 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 d'ayo, comme d'ayam 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 d'ayo, comme d'ayam d'ayam d'ayo. Comme d'ayam 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 d'ayo. Comme d'ayam 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 d'ayo. Alors, on est au menhir de Monteneuf. Et j'ai rencontré deux personnes. J'ai demandé à un petit garçon, tu as quel âge ? 50 ans. 50 ans. Oh oui, bah oui. 4 ans et demi en fait. 4 ans et demi, merci. Et rappelle-moi ton prénom ? Ok. Et tu dirais qu'il faut quoi toi aux gens pour être heureux ? Tu leur dirais quoi ? Des jouets. Faut des jouets. Mmh. Et ça te rend heureux ? C'est génial. J'ai envie d'en acheter toute la journée. Bon, moi j'ai réfléchi un peu. Ouais, et toi, alors ton prénom du coup ? Gabi. Dis-nous Gabi. Quelque chose qui nous passionne et puis les amis quoi. Ouais.
Totalement. Je pense que c'est déjà pas mal. Exactement. On va faire. Eh ben voilà. Eh ben merci à vous deux du coup. Merci beaucoup. Il est trop beau. Vas-y, continue à jouer pour voir. Ah oui.